Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour découvrir la box Le Boudoir du mois de février. Donc voilà, comme d'habitude, on se retrouve tous les mois. Comme je vous avais dit, j'ai continué à reprendre mon abonnement Le Boudoir. Voilà, c'est une box qui a quand même un certain prix, ça je vous l'ai déjà dit. De toute façon, si elle vous intéresse tout de même, je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo en barre d'informations. C'est une box qui a été créée par Caroline R, donc que vous pouvez retrouver sur YouTube ou sur Instagram ou les deux, comme vous voulez. Elle est assez connue, hein. D'ailleurs je sais que certaines d'entre vous la suivent également comme moi. Donc elle arrive à nous dénicher pas mal de produits, des petites pépites made in France, de petits créateurs ou des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, et donc c'est ça qui est le gros plus, hein. Comme je le dis souvent, je vous montre pas mal de box, je suis abonnée à pas mal de box beauté, et souvent je vous dis que c'est toujours les mêmes produits qui reviennent. Avec elle, on n'a pas ce genre de soucis, franchement, normalement. C'est que des choses qu'on a très rarement, ou même voire pas du tout. Donc j'ai hâte de découvrir le contenu de cette nouvelle box. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et aussi à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas également à me retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, TikTok. Tous les liens sont juste en dessous de la vidéo. C'est parti! Donc on commence avec la jolie carte, vraiment très très jolie en noir et blanc, le boudoir. Le thème de ce mois-ci est S'aimer soi. J'adore ce genre de thème, c'est vraiment hyper intéressant et c'est hyper important, hein, de s'aimer soi déjà. Donc j'ai hâte de voir le contenu, de voir un petit peu qu'est-ce qui pourrait nous faire du bien. De ce que je peux voir également, petite surprise, on n'a plus le petit stickers à l'intérieur. On avait un petit stickers, maintenant on a un joli petit nœud. Alors c'est très mignon, par contre je pense que ça lui demande encore plus de travail parce que faut faire le nœud sur toutes les boxes. Donc là par contre, alors que coller un sticker c'est quand même plus simple. Donc là on voit quand même qu'il y a beaucoup de travail derrière tout ça. Première chose que je prends, c'est déjà une gourmandise. Comme vous savez, il y a souvent un petit bijou et une gourmandise dans les box. Après, pour le reste, soit il y a des accessoires, des produits soins, du maquillage, etc. Donc c'est assez lifestyle comme contenu. Voilà. Mais généralement, dans quasiment toutes ces box, il y a toujours un petit bijou et une gourmandise. Donc ce mois-ci, la gourmandise, ce sont des petits bonbons, les bonbons cœur vegan bio. Donc ça, c'est super chouette, une fabrication française. Le petit paquet, on va regarder derrière pour vous donner plus d'informations. Les bonbons bio, c'est de la marque Sophie M, prix public 3,50€, gélifié bio à base de pectine de fruits bio et fabriqué en France. 80 g de douceur qui vous apporte sous forme de cœur, sans gélatine animale, vegan, sans lactose, sans gluten. Réalisé sans colorant artificiel et avec des arômes naturels de citron et cerise. Trop chouette, j'ai presque envie de goûter. Qu'est-ce que vous en pensez? On goûte et puis je vous dis ça tout de suite. Donc je sais pas si vous verrez bien comment c'est présenté à l'intérieur. Donc voilà. C'est tout mignon. C'est délicieux. Délicieux. Alors c'est un petit peu acidulé, le petit sucre qui est autour, il y a du sucre avec un petit peu de sucre acidulé. C'est super super bon. Et on sent le fruit, mais vraiment le fruit quoi. C'est vraiment très très bon. Très très bon. Je vais avoir du mal à m'arrêter. On continue avec la marque Pichon. Un triangle, je ne sais pas trop ce que c'est. Tablette artisanale française. Ah, d'accord, c'est une tablette de chocolat. Chocolat rubis. Découvrons ça. Triangulaire, c'est sympa. Alors, comment ça s'ouvre? Made in France, encore une fois. Septembre 2023. Oh, c'est très beau. Il y a un tout petit bout qui s'est cassé, mais bon. De toute façon, il est là, il va être mangé. Donc il est vraiment très très bon, un très bon chocolat, il fond dans la bouche, donc j'adore la forme, c'est vraiment très original, vraiment chouette, chouette, chouette. Bon, je le garde pas trop longtemps dans les mains, j'ai pas trop envie qu'il me fonde dans les doigts. Donc ce petit chocolat, nous avons, où est-il, chocolat Pichon, triangle chocolat rubis, prix public 7,90€. Le chocolat rubis a une couleur totalement naturelle et vient de la fève de cacao rubis. D'accord, je croyais qu'il y avait du colorant, que c'était un chocolat blanc coloré, mais non, non. Il offre une expérience gustative exceptionnelle avec des notes fruitées et peu sucrées. Effectivement, pour le petit bout que j'ai mangé, très très agréable, avec un petit café, ça va être trop trop bon. Ensuite, de la marque Maca Créa. Voilà, je ne sais pas trop ce que c'est.
Donc on doit avoir un, ça doit être une petite, un porte-carte en tissu, voilà, la maca, maca, voilà, créa, de maca créa, donc ça doit être une création faite main, je pense, hein. Voilà, un petit porte-carte, voilà, petit porte-carte, si vous voulez mettre votre petite carte bleue ou quelque chose comme ça. Ok, je suis pas fan de coloris, voilà, c'est pas quelque chose que moi j'utilise ou quoi que ce soit, donc voilà. Et puis je suis pas méga fan du coloris pour ma part. Maca créa porte-carte Toulouse en liège léopard. C'est vrai qu'effectivement ça fait un peu liège léopard. C'est très, très bizarre comme texture. Coûte 24 euros tout de même, hein, dimension 15 par 10. Mm. On continue encore avec un article de papeterie, j'ai l'impression. Voilà, j'ai l'impression que c'est un petit carnet. En tout cas, l'emballage est très mignon. Alors effectivement, c'est un petit carnet, les nuances dorées. Voilà, les nuances dorées, donc c'est un petit carnet blanc avec son marque-page, avec le petit ruban qu'on peut retrouver ici, le petit rappel, donc vraiment raccord. Hein. Voilà, et c'est un petit carnet avec des pages blanches. Mais ça, c'est toujours sympa pour noter des choses ou pour greffouiller des petites choses. Voilà, c'est sympa. Franchement, c'est sympa, les petits carnets, moi j'aime ça, donc ça, je suis contente, c'est tout mignon, c'est frais, c'est très joli, l'amour à la bretonne, voilà. Je trouve ça sympa. Et ça coûte carnet de l'amour, les nuances dorées, prix public 7 euros. Je trouve qu'en plus, au niveau du prix, ça reste raisonnable pour un petit carnet comme ça. Donc, et c'est 40 pages blanches pour vos petits mots ou vos jolis gribouillages, c'est ça. Papier permanent, vous garantissez une très grande longévité. Ok. Format 13 par 18. Ok, bon, ça c'est chouette, ça c'est très chouette. Et donc on finit par le petit bijou, voilà, j'avais dit bien qu'il y avait un petit bijou, c'est la chic fille, voilà, donc elle a sa petite carte ici, la chic fille, et donc dans un très joli petit pochon gris, il est vraiment très très beau ce petit pochon, et donc, suspense, dans une petite fiole, nous avons un petit collier, ou je ne sais pas, ou, enfin on a un petit bijou en tout cas, voilà, donc très sympa, sans format petit, petite fiole comme ça, excellent. Excellent. Hop. Donc je pense que c'est un bracelet vu la longueur. T'as la tête chaque. Un bracelet avec des petites pampilles. Et est-ce que je peux voir les pampilles, en fait, elles sont. On peut les mettre où on veut. C'est très joli. J'aime beaucoup. Encore une fois, c'est doré, donc je ne le porterai pas. Mais je trouve ça très fin, très très joli. Vraiment, il est très très beau. Très très beau. Oui. Malgré la couleur, hein, clairement je le trouve vraiment très beau et j'aime beaucoup ce principe là d'avoir mis des petites pompilles, des petites choses, une petite pompille rose framboise, je sais pas trop exactement, plus une ici qui est vraiment très jolie, une jolie fleur, et mettre ça sur des petits comme ça, vous pouvez mettre où vous voulez et je trouve ça super chouette. Alors, que nous dit-on sur le bracelet Louise et ses pampilles ajustables? C'est ça, ce bracelet à la maille de billes blanches en perles de rocaille sera parfait porté en accumulation. Ces petites billes vont venir briller subtilement votre poignet. Les pampilles sont interchangeables, petites estampes en laiton doré, mini pompons framboise en coton. Plaqué or 3 microns, création unique, fabrication parisienne, et ça coûte 39 euros. Donc vraiment un très joli bracelet. Encore une fois, je ne sais pas si je vais le garder pour quelqu'un de mon entourage ou je vais vous le garder également pour peut-être un prochain concours. Je ne sais pas encore, je vais voir. Bon voilà, comme vous le savez, on en avait déjà parlé le mois dernier. Je ne porte pas de couleur dorée, mais on est d'accord là-dessus. Et j'en ai parlé enfin rapidement avec Caroline qui m'a expliqué qu'effectivement c'était compliqué de pouvoir demander de faire un choix sur la couleur, voilà, d'un bijou, dans une box. Surtout à son niveau, clairement au niveau de la logistique, ce serait compliqué de prévoir telle quantité de bijoux dorés, telle quantité de couleurs argentées, enfin bref. Donc elle fait des choix divers et bon bah malheureusement c'est pas forcément mes choix, mais ça fera plaisir forcément à quelqu'un autour de moi, donc c'est le principal. Donc voilà pour cette box, prendre soin de s'aimer soi. Alors je vous avoue que pour moi le seul
bémol. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Pour moi, le seul bémol, ce serait que, à la place des deux gourmandises qu'on a eues, j'aurais bien aimé, et je m'attendais en fait à avoir un produit soin corps, une crème pour le corps, ou un soin visage. Alors, soin visage, on en a eu le mois dernier, donc peut-être une crème pour le corps, un truc, un gommage ou une crème hydratante, quelque chose comme ça en fait. Prendre soin de soi, voilà, s'aimer soi, bah, s'aimer soi, pas que dans la nourriture forcément. Et donc, pour moi, le seul bémol, ouais, dans cette box, c'est qu'à la place peut-être du chocolat ou des bonbons, enfin vice-versa, l'un ou l'autre, ça aurait été de mettre un produit soin. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais sinon, vraiment, les deux, le chocolat et les bonbons, on va tous se régaler, ça c'est sûr. Mais voilà, pour moi, ce serait la seule petite chose. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de cette box. Et puis, comme je vous le dis, hein, si elle vous intéresse, je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo. Et merci d'avoir regardé, je vous dis donc à très bientôt. Ciao !